scanner le croiseur à la recherche de signes de vie. Il y a un bataillon entier à bord ainsi qu'une équipe de chevaliers Jedi. Soyez prudente. Mission d'abordage, à l'attaque! Oh!
Capitaine Yeltou pour Maître Donner. On a identifié une avant-garde ennemie. Interceptez-la immédiatement. Ne passerai pas. Je suis un Jedi et je vous arrêterai. C'est redoutable, mais la Force me guidera. Vous me vainquez, une centaine d'autres viendra pour vous. Vous me vainquez, une centaine d'autres viendra pour vous.
ici le capitaine Yelton. Je m'adresse à la section d'abordage impériale. Je dois reconnaître que vous êtes plus nombreux et mieux armés que nous. Vous savez que nous ne fuirons pas. Vous êtes très sûr de vous pour une femme qui sait qu'elle a perdu. Ce vaisseau est alimenté par un annihilateur d'hypermatière de type 4. Je suis en ce moment même en train de désactiver les systèmes de sécurité et de le programmer à s'autodétruire. Dans quelques minutes, vous, moi, mon vaisseau et la moitié de votre flotte seront réduits en poussière. Attention, la mort guette. Thank you.
sont pas indispensables se retirent. Le vaisseau de la République s'apprête à s'autodétruire. Tout de suite. Ce vaisseau s'autodétruira. Vous ne gagnerez jamais. L'Empire est condamné.
La zone est sécurisée. Amenez l'équipe technique. Arrêtez la procédure d'autodestruction. Soyez maudits. Quittez tous mon pont! Vous croyez que c'est une grande victoire, se servir de toute une flotte pour s'emparer d'un vaisseau? Vous, soldats, faites la terre. Je m'en charge. Et le reste de l'équipage? Dois-je ordonner aux sections d'abordage de commencer les exécutions? Ils se sont battus et ils ont perdu. Inutile de les garder en vie. Compris. C'est désagréable, mais nécessaire. Quand l'opération sera terminée, nous diffuserons le nom et le visage des morts dans toute la galaxie en guise d'avertissement. Le croiseur est à nous, c'est le plus important. On le prépare pour l'attaque de la fonderie et de son maître Jedi. Pourquoi hésite-t-on ? Nous devons faire quelques réparations et mettre un équipage en place, mais nous serons bientôt prêts. En attendant, je vous félicite et vous suggère de retourner au vaisseau amiral. Dark Malgus voudra sûrement parler à sa force d'intervention.